Bonjour à tous, si je vous dis rond, triangle, carré, vous me direz peut-être PlayStation, mais en ce moment, il y a fort à parier que c'est Squid Game qui vous viendra à l'esprit en premier. Mais pour un franc-maçon, cela lui évoquera sûrement le compas, le delta et le carré long. Ou peut-être le Rébis de Basile Valentin, figure chère aux alchimistes et à de nombreux francs-maçons, et qui présente bien le rond, le triangle, et et le carré dans sa partie essentielle. Bref, sur ce point et sur bien d'autres, on peut se demander si Squid Game est une série maçonnique. Attention toutefois, cette vidéo va être full spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la fin de la série, allez vite finir de la regarder et revenez. Tout ce que je vais vous dire ici est une exclusivité. Il n'y a encore aucun site ou vidéo qui aborde ce sujet. Je ne pourrais pas mettre en évidence tous les détails que j'ai pu trouver, mais au moins les plus évidents. Venez, on va explorer tout ça. Mais avant tout, pensez à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche pour continuer à en apprendre plus sur la franc-maçonnerie. Même si vous ne connaissez pas très bien la franc-maçonnerie, une image a dû vous marquer. Ce fameux dîner sur fond de damier noir et blanc. Les tables en triangle avec des candélabres au centre. Cela rappelle bien sûr ce que l'on appelle le delta lumineux, ce triangle avec un œil en son centre. Le damier rappelle le sol des temples maçonniques qui, eux-mêmes, renvoient au temple de Salomon. Et si vous aviez un doute sur un éventuel lien, sur le plan principal, on observe 33 bougies comme les 33 grades du rite écossais ancien et accepté le rite de haut grade le plus répandu dans le monde. Ces références sont évidentes, elles interpellent même l'œil le moins averti. Mais ce signal évident n'est pas une fin en soi, il doit être vu comme une invitation à chercher plus loin les détails moins évidents et le message caché. Restez jusqu'à la fin pour ne pas louper ce message. Mais revenons au début de la série. Lors du jeu de sélection, il est demandé de choisir entre rouge et bleu. Mais regardez bien comment sont pliés les papiers. Étrange, non On pourrait dire que ça ressemble à des enveloppes. Mais non, ce n'est pas prévu pour être ouvert. Par contre, ça ressemble bien à des tabliers maçonniques. Et ce choix de la couleur est troublant. En effet, dans le monde, il y a deux principaux rites. Le R2A, donc rite écossais ancien et accepté dont la couleur du tablier est rouge ou émulation dont la couleur du tablier est bleu. D'ailleurs, choisir son rite est bien la première chose à faire quand on veut rentrer en franc-maçonnerie. Et si on reprend ces scènes, le parallèle avec l'entrée en maçonnerie est étonnant. Il est évident que celui qui propose le jeu figure le parrain que l'on appelle d'ailleurs le présentateur dans certains rites. C'est lui qui va guider le héros vers cette quête. Héros d'ailleurs, qui est véritablement dans la pauvreté, donc sans ses métaux, et qui est dans les ténèbres, et qui a besoin de ses épreuves pour trouver la lumière. Mais ça, on en parlera à la fin. Son parrain le soumet à des épreuves préparatoires, qui peuvent le faire gagner ou perdre, mais plus souvent perdre, car le présentateur est plus habile. Quand le candidat souhaite entrer en franc-maçonnerie, avant d'être reçu, il y a aussi des épreuves. Certes, il ne prend pas de gifle, en tout cas pas physiquement, mais ces épreuves, notamment les enquêtes ou le passage sous le bandeau, peuvent être ressenties ainsi. Ensuite, le héros a le choix d'aller plus loin, de prendre la carte avec ses symboles, de rentrer dans le monde des symboles, pourrait-on dire. Cette liberté est très importante pour les francs-maçons, car jusqu'à la dernière minute de l'initiation, le candidat peut refuser. Alors, non, on ne le met pas dans une camionnette avec un gaz pour l'endormir, mais dans un cabinet de réflexion dont il sortira avec un bandeau sur les yeux. Bandeau qui aura le même effet que le gaz dans la série, c'est-à-dire lui faire perdre ses repères et ne plus savoir où il est. Et pour aller dans cette camionnette, d'ailleurs, il doit donner un mot de passe, pratique très courante pour passer des grades en franc-maçonnerie. Quand il se réveille, il est en bleu, vert, qui n'est pas sans rappeler le turquoise du tablier de certains rites. Les autres sont en rouge, figurant les hauts grades du rite écossais ancien et accepté, qui dirige le jeu comme il dirige une partie de la franc-maçonnerie. Mais ça, on y reviendra. Le héros se réveille avec le numéro 456. Si on additionne les trois chiffres, 4, 5 et 6, cela donne 15 soit 3 x 5, 3 étant le chiffre de l'apprenti, 5 celui du compagnon. Car on le verra, dans cette série, le héros sera apprenti puis compagnon, mais ne dépassera pas ce grade de compagnon, en tout cas pas dans le jeu. Il ne parviendra pas au 7, symbole du maître. C'est d'ailleurs bien ce qu'indique sa suite de chiffres, 4, 5, 6, et donc qui s'arrête avant le 7. Passons au premier jeu. C'est 1, 2, 3 soleil. Je mets de côté le 1, 2, 3, premier pas qui mène vers le 4, 5, 6, et je mets aussi de côté la référence au soleil évidente de la lumière. Concentrons-nous sur le jeu. Il ne faut surtout pas bouger à certains moments précis. Tout apprenti aura compris l'allusion à ce premier grade où il ne faut pas parler et ne pas bouger pendant les tenues. La plupart des loges obligent à se tenir droit, les mains sur les genoux, sans bouger et parfois dans des positions spécifiques en restant fixes. Certes, pas de sniper dans les loges pour vous éliminer, mais l'expert, aussi appelé Frère terrible, qui vous fera la remarque, voire plus. Après ce premier jeu, il est indiqué qu'ils peuvent partir s'ils votent majoritairement pour, tout comme la liberté pour chaque franc-maçon de partir quand il le souhaite. Certes, mais dans la série, ils ne peuvent pas partir individuellement. Mais tous ensemble. Ce vote est l'allégorie du franc-maçon qui hésite à partir et procède à ce vote intérieur comme s'il comptait les raisons pour et contre rester. Tout franc-maçon peut passer par ces phases de doute. D'ailleurs, la marche de l'apprenti rappelle ces phases de doute. Ce moment est aussi l'occasion de montrer qu'il y a des règles que tout le monde doit respecter dans ce jeu comme dans la franc-maçonnerie. Je passe le moment à l'extérieur du jeu puisqu'il est en dehors de ce monde de symboles et donc en dehors de la franc-maçonnerie. Quand ils reviennent, deuxième jeu, la découpe du symbole. Armés d'un cure-dent, sorte de mini-burin, ils doivent buriner les contours des symboles. Il n'existe pas de métaphore plus évidente pour désigner l'apprenti qui trace sa planche. Péniblement, durement, plus ou moins facilement en fonction du symbole que son surveillant, oh oui, c'est bien le nom qu'on lui donne, que son surveillant lui aura donné. Troisième jeu, le tir à la corde. Une corde est toujours présente en loge, on appelle ça la houppe dentelée, et elle fait le tour de la loge et est ouverte à l'occident, de telle sorte que les apprentis sur leur colonne et les compagnons sur la leur sont aux deux extrémités de cette corde. Cette épreuve figure la dualité de la disposition dans le temple, ce qu'on appelle les deux colonnes où les francs-maçons sont assis. Mais on le voit dans la série, il est inutile de s'opposer. C'est en allant vers l'autre que l'on gagne une belle leçon de vie, mais aussi de chemin pour l'apprenti qui doit devenir compagnon. Quatrième jeu, les billes. Avec le jeu de son choix, le héros doit gagner toutes les billes de son binôme. Car oui, à ce moment-là, quand il leur est demandé de se mettre en binôme, ils ne savent pas que c'est pour s'affronter. Ils pensent que c'est pour travailler en équipe, puis se découvrent en concurrence. Vous le savez sûrement, mais pour voter en franc-maçonnerie, on le fait à l'aide de boules noires et blanches qui ont la taille d'une bille. Quand on a des boules noires, on est black-boulé, car oui, c'est bien de la franc-maçonnerie que vient cette expression. Or, le passage dans le grade de compagnon se fait justement par ce type de vote. Et dans certaines loges, il faut obtenir l'unanimité pour passer au grade suivant, donc avoir toutes les billes blanches. Et c'est bien ce que fait le héros de la série, par roublardise ou plutôt parce que son adversaire le laisse gagner. Il obtient toutes les billes pour pouvoir passer au stade suivant, en l'occurrence au grade suivant, comme l'apprenti doit obtenir toutes les billes. Pour passer au grade suivant. Car oui, le cinquième jeu est bien le passage au grade de compagnon. Déjà par son numéro, le 5, mais aussi par l'épreuve. Bien sûr, le fait de devoir choisir des dalles qui peuvent être de deux états différents, donc soit en vert, soit en vert trempé, rappelle les dalles blanches et noires des temples maçonniques. Mais cela rappelle surtout la marche du compagnon que je ne pourrais pas vous dévoiler ici, mais tout compagnon voit très bien de quoi je parle. En utilisant cette marche du compagnon, le héros passe définitivement de l'autre côté. Le retour en arrière n'est pas possible. Tout comme en franc-maçonnerie, un franc-maçon qui devient compagnon, il n'est pas possible pour lui de redevenir apprenti, même si on dit souvent qu'on est toujours un éternel apprenti. Ainsi, une fois passé cette épreuve, le héros devient compagnon. On verra que l'on retrouve les symboles de ce grade à plusieurs reprises par la suite. C'est aussi à ce moment que l'on découvre l'existence des VIP, alors que l'on ne connaissait que le maître du jeu. Intéressons-nous à ceux qui dirigent tout ça. On l'a vu, les gardes sont en rouge, rappelant le rite écossais ancien et accepté. Ils ont d'ailleurs des grades différents en fonction de leurs symboles, mais sont dans tous les cas au-dessus des joueurs. Il symbolise les hauts grades du rite écossais ancien et accepté qui se situent au-delà du grade de maître, donc bien au-delà du niveau du héros. Les hauts grades du rite écossais ancien et accepté sont caractérisés par 33 grades. Si les gardes rouges sont les premiers étages de ces hauts grades, le maître du jeu, lui, est tout de noir vêtu. Amateur de whisky, clin d'œil sûrement... À l'Écosse du Rite Écossais, ancien et accepté, sa tenue noire fait penser à celle du chevalier cadoche, 30e degré de ces fameux grades, échelon très élevé de l'ordre que beaucoup ne dépassent jamais. Mais au-delà de ce 30e grade, il y a ceux qui dirigent réellement l'ordre. Ils sont peu nombreux et on les retrouve au 33e degré ou grade. Ce 33e degré justement se caractérise notamment par des éléments dorés, du tablier et du sautoir. Et ce doré n'est pas sans rappeler la dorure des masques des VIP, eux aussi peu nombreux et qui dirigent tout. Mais revenons au jeu. Le héros, compagnon, se retrouve autour de cette table maçonnique dont je parlais en ouverture. Ils sont trois, prêts à se tuer, tout comme les trois mauvais compagnons de la légende et qui forment toute la dramaturgie qui amène au grade de maître. Après ce passage et l'altercation qui s'ensuit, vient le sixième jeu. Sixième étape, juste avant le 7, donc, juste avant le grade de maître. Et pourtant, c'est le dernier jeu, ce qui rappelle bien que le héros n'atteindra pas ce grade de maître. En tout cas, pas là. Cette dernière étape se passe dans le fameux Squid Game, en forme de calamar, certes, mais surtout en forme de pierre cubique à pointe, avec ce cercle en son sommet, comme pour montrer l'objectif ou figurer la lumière. Tous ces éléments étant spécifiques au grade de compagnon, ce qui renforce cette théorie. Il y est opposé à son double, car oui, son ami d'enfance, qui a réussi ou en tout cas fait semblant de réussir, est une sorte de double maléfique, ce qu'il aurait pu devenir, l'ennemi intérieur que l'on a en nous. Ennemi intérieur que l'on nous présente justement au grade de compagnon au rite écossais rectifié. En surmontant cet ennemi, le héros se dépasse et arrive en haut de la pyramide, en tout cas de cette petite pyramide, pourrait-on dire. Il veut se réconcilier avec ses natures mauvaises, mais cette dernière, personnifiée par son adversaire, préfère se suicider pour ne laisser que le côté vertueux, seul à même de devenir maître. Et le héros gagne. Pourtant, cette victoire n'est pas très festive. Il ne vit pas comme une victoire. Et surtout, il n'y a pas de passage. On n'a effectivement pas vu de passage vers la maîtrise. Comme s'il était qualifié pour gagner, pour devenir maître, mais que la cérémonie de passage ou de victoire n'avait pas eu lieu. C'est en fait un phénomène très connu en franc-maçonnerie. Quand vous êtes qualifié pour passer au grade d'après, il y a un vote, comme je disais tout à l'heure. Mais tant que la cérémonie n'a pas eu lieu, vous n'avez pas encore ce nouveau grade. Et on attend avec impatience l'invitation ou la convocation pour cette cérémonie. Et c'est bien ce qui arrive au héros, qui recevra justement cette invitation un an plus tard. L'invitation l'amènera à rencontrer la mort et à la dépasser, à lui survivre, thème central du grade de maître. Et c'est après ce moment qu'il est pleinement maître. Le 456, 456 devient enfin 7. Pourtant, avoir gagné et être devenu maître ne lui suffit pas. Il se teint rapidement les cheveux en rouge. Cette teinture rouge a beaucoup fait parler sur Internet. Mais après tout ce que j'ai dit ici, il est évident que ce besoin d'aller vers le rouge, donc vers le rite écossais ancien et accepté, montre que le héros entre dans les hauts grades timidement, progressivement. Il n'y a que les cheveux, on est loin de la tenue complète rouge des gardes, qui sont encore de plus haut niveau que lui. Et la fin interpelle beaucoup, notamment ceux qui n'ont pas bien compris toutes ces références maçonniques, car s'il fait demi-tour, plutôt que d'aller dans l'avion, c'est qu'il veut poursuivre ce cheminement maçonnique, continuer à gravir les grades. Et on le retrouvera sûrement dans une saison 2, soit en rouge, mais plus certainement dans la tenue noire du chevalier Cadoche que le précédent vainqueur de 2015 qui lui aussi a suivi ce cheminement maçonnique a pu atteindre dans cette saison. Mais restez encore quelques instants, je vais vous révéler le vrai secret derrière tout ça. Pour arriver à ces déductions, j'ai utilisé une méthode maçonnique qui consiste à créer des liens notamment à l'aide de symboles et en passant régulièrement entre signifiant et signifié. Et je me suis basé sur des symboles maçonniques qui existent réellement et sont partagés par des milliers, voire des millions de francs-maçons à travers le monde. Et pourtant, toute cette théorie est absolument fausse. J'ai simplement repris le déroulé de la série, puis trouvé des symboles qui avaient vaguement un lien, parfois totalement tirés par les cheveux. Je n'ai pas hésité à mélanger des traditions maçonniques très différentes et qui s'ignorent généralement, et dont certaines sont inconnues en dehors des frontières françaises, donc forcément inconnues en Corée. Non, rien dans cette série n'apparaît maçonnique si ce n'est le fameux Dîner où le réalisateur a utilisé une iconographie maçonnique pour faire ressortir le côté mystérieux. Mais à aucun autre moment, on ne retrouve l'iconographie maçonnique si on cherche honnêtement. Pourquoi ai-je fait cela Pour vous montrer les dérives de la symbologie que l'on entend parfois en loge, où celui qui planche essaye de démontrer tout et n'importe quoi en s'appuyant sur la règle autoproclamée qu'un symbole étant personnel, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Et ce qu'on retrouve en loge, on le retrouve encore plus dans certaines vidéos en ligne où on essaye de voir des références maçonniques partout. Tiens, un triangle, ça doit être maçonnique. Tiens, une étoile, ça doit être maçonnique, etc. Et j'ai aussi utilisé une technique qui vise à émettre une hypothèse hasardeuse, puis deux minutes après, m'appuyer dessus comme si c'était une vérité démontrée. Ce que l'on voit souvent d'ailleurs dans les théories du complot. Bref, tout ça pour vous dire que faites attention, ne croyez pas ce que l'on vous dit, surtout sur les francs-maçons, et surtout si ça vous paraît trop beau ou trop fantastique. Si le sujet vous intéresse, plongez-vous dans des livres sérieux, comme la collection Que sais-je, par exemple, ou les livres d'historiens, voire même la franc-maçonnerie pour les nuls, qui est un bon bouquin. Vous y trouverez des références sérieuses, une explication claire, concise, de ce qu'est réellement la franc-maçonnerie, loin des fantasmes et des caricatures que l'on peut trouver sur Internet. Et bien sûr, pour continuer à en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, likez. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche.